La dépression peut être comparée à un état de déception. Imaginez désirer ardemment quelque chose et réaliser que ce quelque chose ne pourra jamais être atteint. Un sentiment intense de frustration, de déception s'installe, puis un état de résignation. Ce n'est parfois qu'après une longue période de digestion que l'acceptation survient. Dans l'acceptation, il n'y a pas de regret que les choses eussent été ce qu'elles ont été. L'acceptation est totale. Elle libère du passé. Nous avons donc là le processus de la dépression avec ses phases de déception, de frustration, de résignation et d'acceptation. Ces phases peuvent être vécues de manière très intense et dramatique et conduire parfois à ce que l'on appelle le suicide, c'est-à-dire la destruction violente de la forme physique. La dépression demande donc d'examiner attentivement quelle est la nature de l'objet désiré. Que désire-t-on véritablement? Cette investigation va amener une réorientation du regard. L'objet du désir est-il au-dehors ou au-dedans de moi-même? Vers quoi tend véritablement mon cœur? Vers quoi tendent tous mes désirs? Ce questionnement conscient amène une réorientation des énergies, initialement projetées vers un but différent de ce que je suis, pour être ramenées au plus près, là où je suis à cet instant même. Lorsque la conscience que je suis ce que je cherche s'installe, une libération survient. Les énergies auparavant dispersées vers l'extérieur restent là où elles sont, disponibles et déployées dans la présence à l'instant. Si l'instant contient tout ce qui est désiré, la recherche perd son utilité. Peut-on rechercher ce qui est déjà là? Voyons donc avec lucidité ce qui est recherché et celui qui cherche. Lorsque l'objet de la recherche et le sujet qui cherche se fondent, l'amour et la liberté jaillissent comme une réalité inévitable et omniprésente. La dépression n'est alors plus qu'un vieux souvenir lié à la confusion passée qui avait fait croire que ce que je cherchais n'était pas déjà là, et que celui qui cherche était différent de ce que je suis.